Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner? Tout le problème est là. Décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants. Il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un état tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final.